Ah oui, c'est un jour mis à part pour véritablement célébrer les pères et c'est à cette occasion d'ailleurs même que nous nous retrouvons pour pouvoir rendre hommage à un père en or, un père vraiment qui mérite qu'on le célèbre. Les enfants, si vous êtes d'accord que le père soit célébré, qu'est-ce que c'est? Et comme c'est la fête des pères et qu'on n'a pas deux pères ici, il n'y a pas l'Éternel Dieu des armées et que c'est le meilleur des pères, je dis bien le père en or, le prophète Joël Crasso, les enfants, qu'est-ce qu'on fait? À cette occasion, papa prophète Joël Crasso, nos enfants n'ont que véritablement leur voix, leur joie, leur gaieté, leur santé, n'est-ce pas, pour te l'exprimer de vive voix. Et là, nous suivons bien sûr le regard du premier père qui encadre les enfants ici, papa Monique, qui mérite encore plus de chaleur. Cette occasion des fêtes des pères, nous allons nous adresser à notre père, le père des pères. Et il est, on va s'adresser à l'Éternel des armées, mais au père fondateur de la fondation, prophète Joël Crasso. Est-ce qu'on peut se donner des questions? Espoir de vie du prophète Joël Crasso, souhaitons bonne fête de paix à tous les papas du monde. Papa Joël Crasso, le père des orphelins de la fondation Espoir de vie, nous ne pouvons passer cette journée sans te souhaiter une très bonne fête de paix à toi, papa chéri. Nous t'aimons, papa Joël Crasso. Sois infinitivement béni. Puisse l'Éternel Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, enrichir d'onction ton ministère. Je t'aime, papa. Ouais. Pour toi, papa chéri, nous voulons chanter ces deux petits chants. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent, qu'elles appellent avec moi l'Éternel. Quand on tourne vers lui, les regards, on dirait un nom de joie.
mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Christ a redonné la vie à mon âme.